Bonjour, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler un peu plus du programme en ligne Un chemin vers soi et notamment cette dimension de nos vies intérieures, c'est-à-dire notre intériorité, qui sont pour moi si précieuses, si importantes, et notamment. D'où l'envie, l'intention de ce programme et aussi de l'avoir créé parce qu'il avait vraiment du sens pour moi et aussi parce que je l'ai vécu vraiment sur mon chemin. C'est vraiment cette idée de raccorder finalement notre vie intérieure, notre intériorité dans cet endroit où il y a, je crois, nos valeurs, nos essentiels, nos ressources, notre socle, notre base. Vraiment ouais, ce fil d'or, ce fil de soie, c'est souvent ce que je dis en séance, et de faire raccorder finalement notre intériorité avec la vie extérieure, le monde, l'autre, l'échange, l'interaction, mais aussi et surtout nos choix importants. Et c'est vrai que, en tout cas personnellement, dans ma vie, je fais partie de celles et ceux qui ont eu du mal, en tout cas ça n'a pas été naturel chez moi, de raccorder ces deux espaces, ma vie intérieure et ma vie extérieure, si je puis dire. J'ai longtemps eu peur de mon intériorité, peur de ma sensibilité aussi, peur de ce que je croyais être très naïf en moi. Et je me disais non, mais donc je mettais ça très 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 de côté en me disant non, mais dans le monde, faut que tu sois forte, quoi. Et voilà. Et du coup, je faisais pas ce pont naturel entre mon intériorité et du coup, ma manière d'habiter le monde, ma manière d'habiter mes choix, mes projets, mes relations, les situations de vie qui m'étaient proposées, etc., etc. Pour celles et ceux qui me connaissent, du coup, vous savez que j'ai perdu l'audition à l'oreille gauche à mes 25 ans. Et si je puis dire, c'est cet événement de ma vie qui m'a montré le chemin au début d'une façon un petit peu ardue, mais finalement si salutaire de revenir à l'intérieur de moi. Et symboliquement, j'aime parfois me dire que dans l'équilibre de mes deux oreilles, il y en a une qui n'entend plus le monde extérieur et qui entend mon monde intérieur, et puis il y en a une, heureusement, qui, elle, entend du coup le monde extérieur. Et c'est comme si mes deux oreilles me montrent un peu cet équilibre, cette harmonie qui est très important pour moi, parce que plus jeune, je crois que j'avais vraiment les écoutilles tout le temps tournées vers l'extérieur, et si rarement je faisais ce chemin de revenir à l'intérieur, ce chemin vers soi, finalement, j'en avais trop peur et c'était, voilà, c'était pas un endroit aisé pour moi. Ça l'est devenu, c'est devenu une énorme réjouissance pour moi, justement, de se créer ce chemin vers soi. Et si je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour donner cette tonalité que, selon moi, dans mon approche de la sophro, dans mon vécu personnel et aussi dans tous les accompagnements que j'ai faits depuis que je suis sophrologue, vraiment cette confiance infinie que plus on chemine vers soi, mieux ça retentit, mieux ça colore, mieux ça rejaillit sur notre monde extérieur. Et encore une fois, quand je dis monde extérieur, c'est comment on habite le monde, comment on habite nos relations, comment on habite nos choix importants, comment on habite la vie, les situations. Voilà, pour moi, vraiment, l'un est toujours au service de l'autre. Et comment après ça danse au plus juste. Mais personnellement, si souvent je me suis retrouvée presque prisonnière au fond de ma vie extérieure. Pourquoi? Parce que je ne savais pas l'habiter de qui j'étais vraiment. J'ai eu, voilà, c'est une difficulté après aussi dans nos noms, dans nos affirmations, dans nos choix. Donc voilà l'invitation. Si vous avez cette envie, si vous sentez l'appel de nous rejoindre pour la prochaine session du programme Un chemin vers soi, en douceur, en couleur, c'est vraiment un espace infiniment bienveillant où l'invitation est vraiment de revenir
à notre rythme, de redevenir aussi souverain et souveraine de ce qui est bon ou pas pour nous, sans aucun jugement, sans a priori. C'est pas personne ne sait ce qui est bon pour nous au fond. Il n'y a que soi, pour sentir à cet endroit-là. Donc bienvenue, si ça vous parle, sur cette exploration, ce programme très hybride, très organique. J'avance moi aussi avec vous. Je le peaufine à chaque fois, je le fais maturer, grandir. Ça dure 15 jours avec un jour off au milieu, une entracte pour respirer. Et pendant 14 matins, vous recevez mes lettres mail avec une invitation pour cheminer vers soi. Il y a toujours dans ce mail, il y a toujours soit un audio sophro ou relaxation ou sophro méditation, une invitation d'écriture, soit une invitation de collage parce que j'aime inviter la créativité. Je crois qu'elle colore aussi nos vies et elle nous ramène dans un espace où on est moins dans le mental, moins dans la tête et beaucoup plus dans l'expérience de soi. Des invitations aussi d'action aimante, c'est vraiment un concept, si je puis dire, que j'ai découvert avec le livre de Margaret Paul, « Renouer avec son enfant intérieur », que j'ai trouvé merveilleux. Voilà. Et puis une envie aussi de célébrer nos vulnérabilités, célébrer nos erreurs, célébrer toutes ces fois où on n'a pas pu, célébrer aussi nos beautés, célébrer aussi nos sensibilités, nos singularités, ce qui fait que c'est nous et pas quelqu'un d'autre. Donc voilà, bienvenue si vous avez l'envie dans ce programme « Un chemin vers soi ». On débutera mercredi prochain, le 25 septembre, pour 2 semaines ensemble, jusqu'au 9 octobre. Pendant ce programme, donc vous recevez mes mails chaque jour. On a aussi 2 Zooms ensemble pour celles et ceux qui souhaitent, pour avoir des temps ensemble de connexion, de partage, d'échange. C'est très informel, c'est très tranquille. Et puis pour celles et ceux qui souhaitent, dans ce programme, il y a aussi la possibilité d'avoir un échange avec moi en individuel sur Zoom de 15 minutes, 15-20 minutes. Bah voilà, si vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut-être bloque ou qui freine, je suis vraiment, vraiment là avec vous pendant ce programme. C'est ce que j'aime en fait. Donc voilà, je suis vraiment là. Ce programme, il est à 88 €. Sachez que tout le matériel que je vous envoie, vous les gardez. Donc ça, c'est assez génial parce que si vous n'avez pas le temps, la possibilité, la disponibilité intérieure aussi de faire ces 14 jours, vous les gardez. Moi, la seule chose que je vous demande en retour, c'est de tout garder confidentiel. Parce qu'au fond, c'est entre guillemets ma propriété, c'est ma création. Mais voilà, dans cet échange de confiance réciproque, vous gardez tout ce que je vous envoie. Et simplement, je vous demande à ce que ça reste dans votre écrin personnel et confidentiel. Parce que petit à petit, j'aspire à ce que tout ce matériel de ce programme soit mis sur une plateforme que j'aimerais créer aussi. Parce que j'ai déjà l'idée d'autres thèmes de programme pour qu'on puisse à chaque fois continuer d'explorer la vie, le vivant. Ouais, je crois que c'est au fond ma passion. Contactez-moi si besoin et avec joie de cheminer ensemble. Très belle journée et à tout bientôt.